Salut les amis du web, j'ai sorti de mes réserves ce coffret du groupe New Wave des années 80, anglais, Dead or Alive. Donc j'avais gardé en fait scellé pour un jour faire une vidéo sur ce groupe. Eh bien je vais faire un petit unboxing, bien que ça doit faire pas mal de temps que je l'ai. Je vais l'ouvrir. Évidemment il peut perdre de sa valeur, mais ce qui compte c'est de vous le montrer et d'écouter ce qu'il contient, et non pas de conserver ça comme une momie. Alors, il s'agit de tout ouvrir. Alors, il s'agit du coffret appelé Sophisticated Boom Box 2016. C'est sorti en 2016. Il y a eu aussi une version CD beaucoup plus importante. Et donc, je vais vous montrer un petit peu l'étiquette. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses dedans. C'est-à-dire, il y a 8 albums studio quand même. De Peter Burns et Steve Coy. Donc 8 studio albums, Official Debut UK Realized, Exclusive New Artwork, Also Includes 2 DVD, hein, Rare and Unrealized Tracks Mix, et c'est donc limité à 4000 exemplaires. Eh bien, on va ouvrir ce très beau coffret, vous voyez, alors, très beau coffret qui imite le design d'une radio. Ensuite, en ouvrant, c'est très joli, vous voyez, il y a des reflets, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc un coffret avec 4 superbes DVD et CD. Donc, je regarde si vous se trouvez le... Ah oui, en fait, il y a pas mal de CD dedans. Regardez la deuxième page. Il y a donc en tout 8 CD. Ah, c'est pas mal. Hein. Très beau coffret. Très beau coffret. Là aussi, très beau coffret, en fait. Très beau coffret. Et on a aussi... En fait, il n'y a que des CD dedans. Je sais qu'il existe un coffret avec les vinyles. Avec un joli petit livret. Donc il y a les 8 studio albums, mais en CD. Je sais qu'il existe le coffret en vinyle. Coffret vinyle aussi. Très belle. CD 1 et 2. Donc en fait, il y a tous les... Ah oui, c'est assez intéressant quand même. Parce que vous avez donc le CD, et vous avez toutes les versions remixées dedans. Oui. Donc voilà. Donc pour le CD 1 et 2, avec le premier album, Sophisticated Boom Boom, qui était sorti juin 1984. Oh, c'est avant ça. C'était avant, pour voir. Non, c'était avant ça. Ensuite, le fameux Youth Cake, Dead or Alive,
CD 1 et 2, le fameux album incluant le titre You Spin Me Around Like a Record. Alors vous avez là quand même trois CD. Vous avez un CD live, un CD de remix et de remix inédit, des bonus tracks et le CD 1 qui reprend l'album. Allez, c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça. Pas mal du tout, hein. Pas mal, très beau coffret. CD 1 and 2, là aussi, l'album suivant. Donc là, on était en 84, hein, pour celui 85 en fait. Donc, premier album Sophisticated Boom Boom 1984. Ensuite, You Spin Me Around Like a Record, et pourtant sur le second album Youth Cake de 85, mais était sorti en 84. Et bah, je peux aussi, je vous montrerai après les maxi que j'ai. Ensuite, on a l'album de 86, Dead or Alive, Mad, Bad and Dangerous to Know. Avec, je vais vous montrer donc tous les remixes, enfin c'est assez intéressant, bonus tracks, les remixes, enfin il y a pas mal de choses intéressantes. Là je vous montre, c'est bien fait hein, ce coffret, très bon coffret. J'espère que vous arriverez à lire. Ensuite, donc quatrième album Rip It Up de, alors on était en 86 là, ça doit être ouais. En fait, c'est sorti en 96, 89, 90, 84, 85, 86, tout ça. Voilà. Alors c'est l'album Rip It Up qui contient Brand New Lover, qui était également sur l'album Mad, Bad and Dangerous to Know. Alors Brand New Lover, en fait ça doit être une compilation. Voilà. C'est une sorte de compile sur plusieurs années. Et ici on voit bien donc tous les titres. Essaye de puissiez voir. C'est intéressant, hein. Je le découvre vraiment. J'avais jamais vu, c'est magnifique. Alors Dead or Alive, ah oui, l'album New, d'ailleurs ça c'était de 88. Voilà, 88. 88. Alors tous ces disques sont sortis depuis en vinyle coloré. Hein. Peut-être que je vous les présenterai dans une prochaine vidéo, si j'arrive à mettre la main dessus. Voilà. Tous ces remixes-là, je vais mettre un peu plus près. Pas évident. C'est vraiment magnifique. Superbe. Tout ça en CD. Alors, CD tout. Et ensuite, Fan the Flame Part 1, Dead or Alive. Ça, c'est de 1990. Avec quelques bonus tracks. 1990. Voilà. Des trucs que je connais pas. Je suis pas un très grand spécialiste de Dead or Alive. Hein. C'est pour ça que je nage un petit peu, mais. C'est intéressant. Dead or Alive, Nuke, Cléopatra. Ça, c'était de 95, 94. Les 8 albums, ça, on doit être au 7e, là, je crois. Je pense. Donc, 1994-95, vous voyez, là, on voit bien les titres. Et ensuite, le dernier, je crois que c'est le dernier. Ouais, le dernier, donc Fragile,
qui était de 2000, 1999, 2000. Fragile. Fragile. Avec ces titres à découvrir, hein, parce que je ne connais pas bien. À part, en fait, je connaissais uniquement le deuxième album, le plus connu, c'est-à-dire celui-ci que vous connaissez certainement tous, presque tous, Youth Cake. Voilà, c'était surtout ça que je connaissais, les maxi issus de cet album, mais ça me permettra donc de découvrir tout ça. Donc, voilà, très belle photo, très beau design. Et donc, je repars, il y a donc pas mal de CD en tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 CD. Ah ben, dis donc. Il y a du boulot pour écouter tout ça. Et donc, je vais en profiter pour vous faire redécouvrir certains maxi que vous devez connaître. Surtout ceux-là. Voilà. Tout est là, oui. Donc, surtout ce maxi, ces deux maxi issus de l'album Youth Cake de 85. Voilà. Et là, il s'agit des deux versions, la version Extended et la New Extended Version. Alors, on a la Performance Mix, qui est la plus répandue, hein. Club numéro 1 hit. Voilà, ça c'est un pressage de chez CBS. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être de 84. Oui, c'est ça. C'était 84. 1984. Donc de chez Epic. Et une version 732 Performance Mix, qui est la version la plus courante de Dead or Alive. Et en face B, on a Mighty Mix Part 2, etc. Wish You Were Here. What I Want Do It et Misty Circles 746. En fait, il s'agit d'un medley, plusieurs titres en face B, seconde face. Donc, club numéro 1 des hits, vous voyez, ça c'était la diffusion donc Epic Europe pour la France de chez CBS, ici. Voilà. Et on avait évidemment. Vous voyez les prix à l'époque, hein, 2,49 €, ça fait même pas 3 € de l'époque, mais évidemment, il faut multiplier, ça doit faire dans les 10 € de maintenant, quoi. Voilà, 84, 10 €. Donc, pressage anglais, et c'est la Murder Mix qui est plus rare, et ça a dû sortir, je crois, en 85, ça. À vérifier, on va vérifier tout de suite. Maxi anglais pour le coup, voilà. Hein, on reconnaît bien sa pochette flexible et aussi la pochette. Alors, ça, Dead or Alive. You Spin Me Around Like a Record Murder Mix 1984 aussi. Voilà, 84, même si l'album était sorti, You Cake, oh, je répète, en 1985, en face B. Misty Circle, alors là, on a l'Extended Version. Voilà. Ensuite, excellent second titre issu de cet album Youth Cake de 85 de Dead or Alive, toujours My Heart Goes Bang. On est en 1985, deux versions. La version American Report Mix. Et la version originale qui est donc l'Extended Version, ouais, Extended Version classique, donc sorti en 85. Là, il s'agit du maxi de chez Epic CBS, diffusé en France en 1985. Vous voyez, il y avait même encore le niveau d'enregistrement pour les cassettes. Alors, My Heart Goes Bang, Get Me to the Doctor, 7 minutes 20, Epic, Dead or Alive, maxi européen, distribué en France par Epic. Et on a My Heart Goes Bang,
la 7-inch version et Big Daddy of Rhythm Live version 3 minutes 25. Voilà. Ensuite, donc la version maxi anglais. Maxi anglais, toujours de chez Epic CBS Records, mais Angleterre. Bien que le maxi soit anglais, il s'agit d'une version qui se veut américaine. American Remix version. Et on a Big Daddy of the Rhythm en live face B et My Heart Goes Bang qui est aussi une version live. Et en fait, c'est marqué ici, alors là c'est marqué live version en face B, mais en fait sur la pochette du maxi anglais, on a instrumental version ici. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'est une instrumental version et non pas une live version. Il y aurait une petite erreur sur le macaron. Voilà, donc maxi anglais, vous voyez, très souple. Donc, second remix, second maxi. American Whip Out Mix version sur un maxi anglais. Ensuite, il y avait aussi, issu de cet album, Lover Come Back to Me de 84-85. Lover Come Back to Me, je vais le sortir. Là, il s'agit d'un pressage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une pochette. Voilà. On va voir ce que c'est comme pressage épique. C'est peut-être allemand, ça. Sydney, non? Message australien de Lover Come Back to Me, issu de cet album, tiré de cet album, Youth Cake. La photo du groupe. Et il s'agit d'une extended version, voilà, de chez Epic Australie. Voilà, message australien. Et en face B, Far Too Hard, Lover Come Back to Me, la 7-inch bonus mix version. Donc de 1985 ici, mais je vois 84 en fait, sur la pochette. Donc, toujours chez Epic, CBS donc, Epic. Petite vérification des titres quand même. Les titres. Voilà. Donc on a Youth Cake, donc Lover Come Back, oui, Lover Come Back to Me, donc You Spin Me Round Like a Record et My Heart Goes Bang. Les trois maxis figurent bien sur cet album. Voilà. Il n'y a rien dessus. Et ensuite, on passe à l'album suivant où j'ai qu'un maxi, Brand New Lover, et c'est la version diffusée en France à l'époque, c'est-à-dire la The Dust Monkeys Love Bubble Club Mix, très longue, et Brand New Lover Instrumental Version. Donc, tiré de l'album qui s'appelle Made Bad and Dangerous to Know, 1986, Brand New Lover. Dead or Alive, donc Brand New Lover. Donc 9 minutes, version de chez Epic, 9 minutes. Phase 2, face B. Voilà. Donc, très bon remix. Il existe aussi une autre version, un petit peu moins longue, de 6 minutes, pareil, un second maxi anglais de Brand New Lover avec une autre version de 6 minutes qui est pas mal aussi.
Et enfin, en 1997, est sorti ce maxi de Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record, la remix 97 qui est pas mal du tout, qui est pas mal du tout de Dead or Alive. Donc, remix 97 avec une pochette toujours un peu choquante. Voilà. Et plus il s'agit d'un disque transparent. Et en face B, il y a Jailhouse Club Remix 459. Et la Marc-Antoine Edit Remix Version 411. Et donc face A, la Cléopatra Remix. Et Marc-Antoine Remix aussi 643 et 658. C'est pas mal hein, ce maxi, cette version bien remixée. Ah, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis il me reste à écouter tout ça. Hein. C'est pas évident. Hein. 19 CD, j'ai du boulot. Après, je peux vous dire, je connaîtrai tout sur Dead or Alive. Voilà, il n'y aura plus de secret. Bah, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, hein, parce que. Je connais un peu Dead or Alive, mais je ne suis pas quand même un grand spécialiste. Vous avez vu, j'ai aucun album en vinyle. J'avais quelques maxis. Et là, ce coffret me permettra de bien connaître le groupe. Et je vais essayer de me brancher sur ces rééditions vinyles de Dead or Alive, de ces albums en vinyle aussi. Voilà. Donc, très beau coffret, si vous arrivez à le trouver. Moi, je l'avais eu en pré-order à l'époque. À un prix relativement bas, mais maintenant c'est sûr que ça fait déjà 2 ans, 2, 3 ans que c'est sorti, donc c'est plus rare. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore.